Ah, c'est une forge le truc. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène fascinant utilisé tous les jours en médecine, dans l'industrie, en aéronautique. J'ai nommé l'effet Venturi. Déjà, il faut comprendre ce que c'est que l'effet Venturi. Et ensuite, on passera à la pratique. Ce phénomène se produit lorsqu'on fait passer un liquide ou un gaz dans un conduit qui se rétrécit. Admettons que le liquide rentre par ici, à l'endroit où le conduit est le plus fin, comme dans cet entonnoir, il va être accéléré et subir une baisse de pression. Si on fait un trou au niveau de ce rétrécissement, la dépression va permettre d'aspirer un gaz, un liquide, ou encore de mélanger deux gaz ou alors deux liquides. C'est justement cette fonctionnalité qui va nous être incroyablement utile dans cette vidéo. Attendez, est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle l'effet Venturi? C'est parce que ça a été découvert par l'italien Giovanni Battista Venturi. Ça date de 1797 et c'est encore utilisé de nos jours. Venturi a réalisé des expériences sur l'écoulement des fluides grâce à un dispositif qu'il avait inventé, la trompe de Venturi. Allez pas chercher sur internet des photos de la trompe de Giovanni, vous allez tomber sur des trucs un peu chelous. Il a fait part de ses découvertes dans un article qu'il appelle « Sur le phénomène qui se produit lorsque l'eau passe dans un petit orifice d'une grande profondeur ». Giovanni, il était quand même plus doué pour la mécanique des fluides que pour trouver des titres. Ce principe est vraiment utilisé partout. Dans l'aviation, on utilise l'effet Venturi pour produire une poussée. Dans un pistolet à peinture, par exemple, le pistolet utilise l'effet Venturi pour aspirer la peinture et la mélanger à un flux d'air. On l'utilise aussi en médecine dans les masques à oxygène, mais surtout pour un objet dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, le carburateur. On avait vu qu'un carburateur permettait de faire le mélange d'air et de carburant qui arrive ensuite dans le moteur. Le fonctionnement est assez simple. Le moteur aspire de l'air qui passe par le carburateur, dans lequel il y a justement un conduit qui se rétrécit et un petit trou qui est relié à l'arrivée d'essence. C'est ici que le carburant va être aspiré et mélangé à l'air. Bref, cet effet Venturi, on le retrouve absolument partout, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de l'utiliser pour fabriquer un magnifique barbecue. Un barbecue au charbon, c'est relativement facile à faire. Par contre, fabriquer un barbecue à gaz, c'est nettement plus compliqué. Et pourtant, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser l'effet Venturi pour produire une flamme plus intense et plus chaude. Un injecteur à effet Venturi, ça mélange l'air et le gaz pour faire une combustion beaucoup plus efficace. Je précise quand même que je vais vous montrer comment fonctionne un brûleur à effet Venturi, mais je vous déconseille fortement de le refaire chez vous. On va utiliser des raccords de plomberie qui sont pas forcément faits pour ça. Ça peut être dangereux, donc évitez de jouer avec le gaz. La première chose dont on va avoir besoin, c'est un détendeur. Le gaz, quand il est dans une bouteille, il y a très haute pression, et ce détendeur est un peu particulier parce qu'il permet d'aller jusqu'à 4 bars. Après, en soi, c'est juste un détendeur avec un tuyau, et comme il rentrait pas sur ma bouteille de gaz, j'ai dû acheter un petit raccord. Dans la bouteille, le gaz, il est vraiment liquide, et quand il sort du détendeur à 4 bars, il est quand même à haute pression. Dans les barbecues classiques, c'est pas ce qui est utilisé, mais nous, on va faire un truc surpuissant. Tous ces raccords de plomberie vont nous permettre de fabriquer le brûleur. Ça, c'est le raccord qui a la bonne taille pour le flexible. Là-dessus, je vais installer un T, parce que en réalité, je vous ai menti, il y aura deux brûleurs. Là-dessus, je vais connecter deux manchons et deux tubes qui vont me permettre de rallonger le tuyau. Et on rajoute des coudes à chaque extrémité. Là-dessus, on peut remettre deux manchons et deux vannes. Pour terminer, on n'a plus qu'à rajouter des bouchons. Et ça, forcément, ça va se relier à notre tuyau de gaz. Là, évidemment, j'ai fait le montage très rapidement, mais il faudra utiliser du téflon pour éviter les fuites, ou même encore mieux, souder carrément les raccords. Jusque-là, c'est vraiment pas compliqué. On a simplement le gaz qui arrive par en dessous, qui se sépare en deux pour les deux brûleurs, et on a deux vannes pour ouvrir ou fermer les deux parties du barbecue, donc les deux brûleurs. Et pour l'instant, vu qu'on a mis deux bouchons, c'est bouché, le gaz ne sortira pas. Pour utiliser l'effet Venturi, il faut que le gaz sorte par un tout petit trou. Et pour ça, je vais utiliser des buses de poste à souder. C'est un petit machin comme ça en cuivre avec un filetage. Donc je vais devoir percer et tarauder les deux bouchons pour les installer. On va faire la partie haute du brûleur. Toutes les petites flammes vont sortir de ces tubes et du coup forcément il faut qu'on perce énormément de petits trous et c'est de l'inox donc ça va prendre une éternité. Sur la partie en angle droit qui va amener le gaz, il va aussi falloir faire plein de trous parce que c'est sur cette partie là qu'on va avoir la bague de réglage pour le débit d'air qui peut rentrer grâce à l'effet Venturi.
Toutes les pièces en inox sont terminées et je suis super content parce que de faire tous ces trous, ça a pris énormément de temps. Donc maintenant, on va pouvoir les assembler avec un peu de soudure. Je crois qu'on va pouvoir tout assembler. Cette partie-là, c'est vraiment le brûleur, ce qu'il y aura sous les saucisses. Et c'est par tous ces petits trous que vont sortir les flammes. En dessous, j'ajoute une bague qui va permettre de régler le débit d'air qui va rentrer par effet Venturi. Et ensuite, j'ai une seconde bague qui va permettre de relier ces brûleurs à la partie injection de gaz qu'on avait faite juste avant. C'est vraiment pas mal. Et bah ça y est, la partie gaz, la partie effet Venturi est terminée et je trouve ça vraiment magnifique. Je suis vraiment content du résultat. J'ai hâte de pouvoir la tester. Avec les deux vannes, on va pouvoir couper une partie du barbecue si on ne l'utilise pas ou même gérer le débit de gaz. Et avec les bagues, on va pouvoir gérer le débit d'air. Maintenant que le brûleur à effet Venturi est terminé, on va pouvoir passer à la maçonnerie. Et vous allez voir, on va faire un barbecue vraiment quali. Ça y est, les ferrailles sont posées, le coffrage en bois est complètement terminé, donc maintenant il nous reste plus qu'à couler le béton. Ça me laisse un peu de temps pour vous parler du barbecue. Est-ce que vous saviez qu'on fait des barbecues depuis l'Antiquité? Des fouilles archéologiques ont révélé que les Grecs et les Romains cuisaient de la viande en extérieur sur des grilles en métal. Mais on doit le nom barbecue aux Américains, ça vient du mot barbacoa, une structure en bois qui était utilisée par les indigènes des Caraïbes pour cuire de la viande en extérieur. Aujourd'hui, la cuisine au barbecue est devenue un incontournable aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, elle est au cœur même de la gastronomie. Je déconne pas, il y a même un championnat du monde de barbecue. On est quelques jours plus tard et on va enfin pouvoir décoffrer, j'ai trop hâte de voir ce que va donner la voûte. Et voilà. Oh, ça m'a l'air pas mal. C'est magnifique. Bon, ce sera pas le côté le plus lisse, parce que forcément, j'avais plus de bois de coffrage très lisse comme ça. Et de toute façon, on va mettre un enduit par-dessus, donc on verra plus ça. Par contre, le béton a l'air d'être vraiment quali. Et ça va pas être facile. Wow. Et c'est bon! Magnifique! Maintenant, on découpe quelques tiges d'inox et on fabrique la grille du barbecue. J'ai imprimé en 3D des guides qui vont me permettre de placer très précisément les tiges de la grille. Et voilà, on a une super belle grille de barbecue. Bon, elle est un peu lourde. Mais pour le coup, c'est du solide. On va faire du mortier réfractaire pour sceller les briques. C'est justement fait pour résister aux hautes chaleurs. Le barbecue est terminé. Bon, l'enduit est pas tout à fait sec, mais je commence à avoir très faim, donc on va le tester. J'ai relié la bouteille de gaz au brûleur qu'on avait fabriqué. Il y a une jolie pièce de bœuf Angus qui m'attend et on va faire griller ça. Alors pour l'instant, on va faire un premier test en fermant complètement les bagues des brûleurs. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir voir la différence avec et sans l'effet Venturi. Ok, on ouvre le gaz. Donc là, on a une flamme qui est pas très puissante, elle est très jaune. Et maintenant, on va ouvrir les brûleurs. La différence est juste incroyable. C'est tellement puissant. J'ai pas augmenté le débit de gaz et pourtant, vous devez l'entendre au bruit. C'est nettement plus puissant. Cet apport d'air fait une flamme qui est un peu moins visible. Elle est légèrement plus bleue. Mais du coup, on le ressent au-dessus du barbecue. C'est beaucoup plus chaud. Bon, allez, je pense que je vais baisser un tout petit peu le débit de gaz parce que sinon, la viande va cramer en deux secondes.
crois que je vais faire une bêtise. Je vais essayer de mettre le gaz au max pour voir ce que ça donne. Waouh! Ah, c'est une forge le truc! Bon allez, je vais vous laisser. Moi j'ai un gros dossier très important à étudier. Et puis on dit merci qui? Merci Venturi. J'espère que cette vidéo vous aura donné faim. Dites-moi ce que vous pensez de ce magnifique barbecue dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Salut!